Bonjour à tout le monde, moi c'est votre ami et frère Kalinga Leader. Aujourd'hui je suis venu encore pour notre rubrique biographie. La fois passée nous avons parlé sur la biographie du lieutenant-colonel Justin Kokolo. Aujourd'hui nous allons continuer pour parler de la biographie du colonel Tchatchi Damien Joseph. Il y a un camp très célèbre à Kinshasa, à Binza, camp Tchatchi, qui d'ailleurs a abrité les dialogues politiques du 1er septembre au 18 octobre 2016 aux cités de l'Union africaine. Le colonel Joseph Damien Tchatchi Djamba, de la tribu Tetela du Kasaï, surnommé le Terrible, est l'incarnation du paracommando en RDC. Une chanson de Grand Calais et African Jazz intitulée Paracommando lui avait été dédiée et l'école militaire des Paracommando à Binza porte encore son nom. Il fait partie de la promotion de 1954 de l'école des candidats gradés et élites de Lulabo, centre d'instruction de Gombari. Camp de Gombari est au nord-est de la province orientale entre Ouatcha et Mungere, en extension jusqu'à Police à Issirou. C'est là où il reçut la formation de paracommando. Après sa formation, il devint instructeur de paracommando au camp paracommando de Binza. Il devint chef instructeur paracommando en 1960. En 1963, il alla au Katanga pour finir avec la sécession katangaise et il devint alors commandant de la 3e bataillon du commando à Katanga. Il combattait avec ses troupes au combat de Mulele à Kwilu en 1964. Il devient après commandant du centre d'entraînement de Kitona en sigle CEKI au début de 1964. À la fin de 1964, il est muté en qualité de commandant de camp de commando de troupes blindées de Tsonankulu à Tisville, actuel Mazangungu. Il devient lieutenant-colonel après le coup d'État du maréchal Mobutu le 24 novembre 1965. Il alla à Kisangani pour remplacer le général Léonard Moulamba en qualité de chef d'État-major des garnisons de Kisangani. Ce dernier devint premier ministre du Congo car ce dernier a accompagné le président Kassavubu après le coup d'État de 1965. Nous signalons que le colonel Tchatchi Joseph est mort à 34 ans, à fleur d'âge. Merci, c'était votre rubrique biographie. À nous revoir la prochaine fois. Bye.